Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier puisque c'est l'ouverture de la pêche de la truite. Nous, on se fait toujours la petite journée d'ouverture malgré tout le monde qui vient au bord de l'eau. Bah, on s'y tente quand même parce qu'on est attaché. C'est souvent la seule fois où on va pêcher la truite. Cette année, on a décidé d'explorer un peu comme on le fait tous les ans. On fait une nouvelle première catégorie de notre département ou du département voisin parce que bah, c'est pas ce qu'on a de plus sur notre département. Donc bah, il faut faire de la route. Donc on a fait à peu près 1h30 de route comme d'habitude et on se trouve sur une rivière qui franchement nous fait vraiment envie puisque bah, il y a une eau très claire, des algues comme on n'a pas l'habitude de pêcher. Très rapidement, sinon si on pêche pas rapidement en fait le problème c'est que on se prend vite dans les herbes et après c'est mort, on gâche tout le spot. Fish. Décroché. Ouais, mais de toute façon, non, t'aurais pas eu le temps. Mais elle était pas mal. Hein. Bonne sensation sur la canne. Elle devait être aux alentours de 35. C'est parce qu'elle a pas eu le temps. Elle est partie. J'ai pas fait de truite, mais bon, toujours un signe de mon poisson préféré, la perche, en première catégorie qui vient me voir et puis me procurer quelques sensations. Je suis bien content sur ma journée, même si j'aurais préféré une truite. On va la remettre à l'eau. Elle est magnifique. Elle a des jolies couleurs. Une jolie perche. Encore une fois, toujours au Easy Shiner là. C'est fou en première catégorie. Je fais que des jolies perches. J'arrive pas à faire de truites. Mais moi je me régale. Ça finit bien la journée avec la pluie qui est tombée là. Elles sont lentes hein, dans l'eau froide. Quelques contacts avec de jolis poissons nous laissent l'espoir et la motivation de revenir. I came from the mud. Desert on my...